Bonsoir, live en forêt aujourd'hui, et je me lance dans le live avec pas beaucoup de batterie, je vois qu'il n'y a plus que 20%, donc il se peut que ça coupe à un moment ou à un autre. Bienvenue sur mon profil, Marie-Christine Eustache, cultivatrice de bonheur, qui permet aux mères qui ont mis au placard leurs rêves de les ressortir et de pouvoir les vivre pleinement, de pouvoir se dire « ouais, c'est possible, je l'ai fait ». Et ce soir, j'ai mis en titre « Sortir des sentiers battus ». Alors là, voilà, je vais vous montrer un petit peu les sentiers que je prends. Ah non, c'est pas ça. Alors attendez, où est-ce qu'on switch? C'est là. Voilà. Donc je vous partage mon chemin dans un bois qui est juste à côté de la maison. Ça s'appelle le bois du Chasset à Saint-Plus. C'est vraiment dans le centre-ville. Et donc c'est vrai que c'est un coin super super agréable où je viens marcher de temps en temps pour profiter de l'environnement. Donc oui, je vous disais, sortir un peu des sentiers battus. Je travaille, j'ai une activité salariée en entreprise à côté de mon activité de coaching, parce que pour pouvoir dire aux personnes que oui, vous pouvez trouver un job, une belle entreprise ou mettre en pratique vos compétences, permettre aux personnes que vous allez servir d'apprécier votre travail, ah, il y a le soleil un peu là, ça fait du bien, bah, c'est possible. Et c'était un peu compliqué pour moi finalement de dire, bah oui c'est possible si moi je ne l'avais pas fait. Donc j'ai la chance de travailler dans une belle société où je peux servir plusieurs personnes, plusieurs dizaines de personnes par jour. Et le côté sortir des sentiers battus, eh bien c'est que évidemment j'ai une autre façon de vivre mon activité de salarié. Parce que déjà, avant d'aller travailler, je fais mes exercices de bien-être pour mon organisme, pour mon corps, Qigong, les respirations, la méditation. Alors évidemment, quand je partage ça de temps en temps, une occasion ou une autre, les personnes qui me regardent un petit peu bizarrement, de se dire, on fait de la méditation tous les jours. Ben oui, mais c'est ça aussi qui permet que je peux gérer le stress, c'est-à-dire que je peux travailler sans être à cran et que je sais gérer mes limites. Donc c'est... Je fais aussi, quand je fais mes pauses, j'ai mon téléphone, bonsoir, je vois qu'il y a du monde qui arrive, bienvenue sur le live. Quand je fais mes pauses, je prends mon casque sur les oreilles ou les écouteurs comme ça et je me mets dans un fauteuil, on a des jolis fauteuils, je me mets dans un fauteuil et je fais des exercices de respiration. D'accord ? Parce que je continue à prendre soin de moi toute la journée pour mon bien-être. D'accord ? Parce que si moi je suis bien, dans ma peau, dans ma tête, dans mon corps, bah, je vais être bien pour accompagner les personnes que j'ai au bout du fil. D'accord ? Et pour avoir de l'énergie, bah, la première personne dont il faut prendre soin, c'est moi. D'accord ? Donc c'est pas forcément des choses qui sont faites par beaucoup de monde. C'est pour ça que je dis que c'est un petit peu sortir des sentiers battus. Bonsoir. Et à vous d'oser. Je me souviens, il y a plusieurs années, justement, je n'osais pas faire des choses comme ça, même avec des amis. Je me souviens, une fois, on allait avec un copain à la plage et le lieu était vraiment super joli, super calme, une très belle énergie. Je me suis dit, bah, je vais me poser là sur un rocher face à la mer. Bonsoir, je ne vois pas qui c'est qui est là. Coucou, bienvenue sur le live. Et... Salut Mélanie, comment vas-tu? Eh bien écoute, ça fait plaisir de te voir passer sur ce live.
Donc je disais, il y a quelques années, c'est vrai que je n'osais pas forcément être vraiment la personne que je suis et faire les choses dont j'ai envie. Et donc je disais, donc quand une fois j'étais au bord de la mer avec un copain, on était vraiment sur les rochers, il y avait l'eau qui battait, etc. Et je me dis, oh, ah, c'est un super endroit pour faire une méditation et tout. Et je me suis dit, bah ouais, mais bon, qu'est-ce qu'il va penser de moi, etc. Si je me mets là, posée, à faire une méditation. Et donc j'ai pas osé la faire. Voilà. Le truc. Bah oui, je me suis dit, voilà, j'ai pas osé prendre soin de moi à ce moment-là. Alors que, voilà, moi j'en avais envie. Et maintenant, voilà, dans l'entreprise où je suis, il y avait une salle de pause, elle a été mise en salle de réunion pour l'instant, avec l'entreprise qui avait un peu trop grossi. Et voilà, maintenant, je n'hésite plus à prendre ce temps pour moi, à mettre dans un fauteuil, à mettre avec le casque sur les oreilles, à faire mes exercices de respiration, parce que c'est bon pour moi. Et puis, ce que vont penser les autres, bah, je m'en fiche, je prends soin de moi. Voilà, donc osez sortir des habitudes, des sentiers battus, de ce que vous faites habituellement, osez prendre soin de vous, osez vous poser pour le faire, que ce soit au travail, en famille. Alors, voilà, je vois plus rien là. Il y a le soleil qui est juste derrière moi, donc c'est un petit peu... Attendez, je vais prendre le chemin là, puis je vais bifurquer après. Donc, c'est vraiment important. C'est vraiment important de se mettre en premier et de faire des choses que les autres personnes ne vont peut-être pas forcément faire, mais en même temps, les personnes qui réussissent, qui sont épanouies, qui sont heureuses, elles font des choses que les autres n'osent pas faire. Voilà ce que je souhaitais vous partager. Donc j'arrive, je vais plus avoir de batterie là, ça va bientôt couper. Et donc demain, justement, je vais prendre soin de moi. Demain, j'ai rendez-vous demain matin à 11h avec l'esthéticienne et à 18h pour un massage. Voilà, parce que j'ai décidé qu'au mois de juillet, j'allais vraiment me mettre en priorité au niveau de mon corps qui a aussi besoin de soins. J'ai prévu le rendez-vous pour l'irrigation du côlon. Et un autre rendez-vous pour un autre soin aussi du corps. Vraiment prendre soin de mon corps qui a été meurtri en fait. Alors pas forcément ces derniers temps, mais les dernières années, même si j'ai fait des choses, il a encore besoin que je sois plus douce avec lui, que je sois plus présente pour lui, que je prenne vraiment... plus de temps pour mon corps, pour mon organisme, pour être encore mieux, voilà, pour être encore mieux, pour encore mieux avoir encore une plus belle énergie. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très 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 bonne soirée, bonne continuation et à bientôt.